Previously on the Avon Calendar. Ça suffit maintenant les conneries de calendrier. Oh, aujourd'hui on est gâtés. C'est vraiment très étrange comme cadeau. Ah merde, il est tombé dans le café. Jusqu'où on ira avec ce calendrier? Dans ce sixième jour pour l'ouverture de la sixième case de ce fabuleux calendrier de l'Avent, Pat Patrouille. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on est mercredi et moi le mercredi, j'ai pas le temps. Non, j'ai pas le temps. Du coup, on fait cette vidéo en mode caméra embarquée. Embarquée pas sur ma tête ou sur un casque, hein. Non, embarquée dans la voiture. Qu'est-ce qu'il y a là? Appel de phare. Avance! Alors aujourd'hui, on est mercredi 6, que ce soit le 6, le 12 ou le 24. Le mercredi, je n'ai jamais vraiment le très beaucoup de temps. Je dois courir à droite, faire des trucs à gauche, aller tout droit, reculer derrière. Enfin voilà, il n'y a jamais eu le temps. Le mercredi, je suis en train de me paumer en plus. Non, c'est bon, c'est par là. Tout ça pour revenir chez soi, avec la petite famille, qui depuis deux jours, dégueule partout. Et ça, ça vend du rêve, ouais. J'adore ma vie, ouais. Vivement les fêtes de Noël. Ouais, ma vie est passionnante, ma vie est fabuleuse. Enfin bon, aujourd'hui, je l'ai pris avec le calendrier de l'Avent. Pas de patrouille. Calendrier, ça gratte dans ma tête. Ce calendrier me perturbe vraiment beaucoup dans ma vie. Et on va se trouver un petit coin fort sympatoche pour ouvrir cette fameuse case numéro 6 qui paraît des plus pathétiques. Ah bah c'est ça, double-moi. De toute façon, c'est une impasse. Mais il me double! Vous avez vu, il me double! Alors qu'on va droit dans une impasse! Et il y en a un deuxième qui me double! J'y peux rien, moi, s'il avance pas devant avec son pot de yaourt! Enfoiré! C'est un couillon sur la route qui me fait chier! Et ça continue, hein, ça continue! Ah! Restons calmes, je suis un peu trop matinal. Ah! En voilà un! Ah! Je trouve que je fais très bien Denis Brunard. Ah! Oh! Ah! Ah! Alors que l'équipe des jaunes est en très mauvaise position par rapport à l'équipe des bleus. Ah! Le mec part en couille tout seul. C'est normal, hein? 6h42 du matin. Tu seras en forme, toi, pour faire une vidéo comme ça? Ah! Alors que l'équipe des rouges n'avance toujours pas, l'équipe des jaunes a marqué des points. Ils ont remporté le collier d'immunité qui leur permet de voter tous contre un contre l'équipe des bleus. Ça ne veut rien dire, mais... Ah! Lui, dans sa vie, il avait un objectif à ne pas louper, c'était de ne pas avancer. Et je vous assure, il le réalise parfaitement! Putain, c'est 50, hein! Même dans les virages, hein! On peut faire 50! Et lui, il me fait des appels de phare! Et à lui, il avance pas! Et il freine encore, il freine! Un petit coin. Donc, case numéro 6 que nous allons ouvrir tout de suite sans plus attendre. Parce qu'on a déjà bien attendu le temps de... Putain, c'est toujours de la merde. Je vais essayer de le faire en live. Attention, ouverture. Je vais regarder. Ah, ça y est, attention. Ça s'ouvre et vous allez le voir avant moi ce qu'il y a dedans. Alors, c'est quoi? Oh non. Vous l'avez vu, hein? Un autre tampon, cette fois-ci bleu, de la Pat Patrouille. Je ne savais pas que les chiens avaient besoin de tampons. Où ils veulent en venir? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Un tampon. Il ne reste plus qu'à l'essayer. Et pourquoi pas sur ma tronche? Ouais, le tampon fonctionne. Étrange. On se retrouve demain pour la case numéro 7. 7, ça porte chance. On verra si ça nous porte chance. À demain. La case numéro 6 vient de nous dévoiler un petit objet. Un tampon bleu. Quel mystère et secret se cache derrière cet énigmatique accessoire? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'il reste encore 18 fenêtres à ouvrir. L'enquête piétine, mais chaque jour, elle piétine de plus en plus vite.
Je suis sûr que moi que vous êtes impatient de savoir ce qu'il y aura dans la case numéro 7. Et si vous voulez le savoir, rendez-vous pour la 7ème fenêtre le jeudi 7 décembre 2017. Ouais, ça fait beaucoup de 7 quand même là.